On est reparti sur Inscription, le jeu qui est un peu difficile. Ce qu'on va faire, je vous propose un truc. Parce que j'en ai parlé avec Néant, qui joue aussi, qui est bien plus avancé que moi. On va faire une partie ensemble aujourd'hui. Si je n'arrive toujours pas à battre ce satané pêcheur et qu'on n'arrive pas à voir de nouveau, parce qu'on l'a vu qu'une seule fois, le troisième boss, dans ce cas-là, ce que je ferais, c'est que le temps de re-arriver jusqu'à ce boss-là, je jouerai au jeu en off, je pense. Parce que sinon, on va jamais y arriver, on va faire 50 lives dessus, ça va être frustrant, et puis même vous, ça va vous gonfler au bout d'un moment de voir toujours la même chose, donc... Je pense qu'on va faire comme ça, si ça vous convient. Et vous m'en aviez parlé la dernière fois. Néant m'en a reparlé aussi. De pas hésiter si jamais je fais un misclick pendant... un misclick fatal pendant, pendant une partie de carte, de recharger la partie. Voilà. Parce que sinon, tu peux vraiment ruiner en fait ta partie en 2 secondes. Et c'est vrai, hein. En abattement de cils, tu peux arriver à la ruiner. Et c'est ça qui est frustrant avec ce jeu, donc voilà. J'aurais dit 30, mais ok. 30% du... Ouais. On n'a pas beaucoup avancé. En fait, on a bien avancé, mais là, je pense qu'on est arrivé au moment où on va un peu tourner en rond jusqu'à que j'arrive à y arriver, quoi. Voilà. Donc... on est de retour sur Inscription, ça on a fait, ça j'ai toujours pas compris. Ah, peut-être qu'il faut que je mette ça dans mon jeu, genre un écureuil et une grenouille taureau. Ah. Tout simplement, toi tu me fais peur. Et tout le reste on a fait je crois à peu près. Une erreur assez fatale, ouais non mais c'est ça hein. C'est pour ça qu'il faut pas que j'y joue trop longtemps en live non plus dès que je vois que je commence à fatiguer, parce qu'après je suis moins concentré dessus et après je commence à faire du caca. Donc c'est pour ça, si j'avance un petit peu en off de temps en temps, peut-être que ça pourra aider. Donc je pense qu'on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors, une nouvelle carte. Je veux une carte Dogo. Ouais, moi j'aime bien les leux. Donne-moi des leux partout. Et par contre... Je crois que ma vue a rebaissé. J'ai mes yeux qui sont explosés ces derniers jours. Donc je vais mettre mes lunettes. Mes lunettes qui sont dégueulasses. J'ai pas mon truc pour nettoyer. Bon, c'est pas. Je vais mettre mes lunettes parce que plus ça va, plus j'ai les yeux qui fatiguent. La vieillesse. Voilà. Mamie Nao. Il me reste quoi comme objet? Il me reste le couteau. Le couteau est quoi? C'est tout? Et bah, je vais prendre un écureuil. Mais ça, c'est chelou, ça. Tous les coups, il y a un truc avec ça. Hein. Sinon, je prends les os. On prend ça? Allez, on expérimente. On expérimente. Il faut expérimenter. Donc je vous rappelle qu'on est enfermé dans une espèce de cave, pour ceux qui connaissent pas le jeu, qu'on joue avec un espèce de démon et qu'on doit arriver à battre les différents boss. Et si jamais on meurt, et ben on recommence depuis le début. Voilà, et ben c'est un boss. C'est lequel? Ah non, c'est pas le boss encore. Continue. Lourd à bourrer. Ah, il y a Mui. Je sais plus ce qu'elle fait, Mui. Elle fait quoi, Mui, déjà? Ah oui, Mui, bah c'est ma dernière mort. Jouer une carte ornée cet emblème vous permet d'éplucher votre deck et d'ajouter n'importe quelle carte à votre main. Ça, c'est bien. Ouais. Et en plus, elle vole. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Je me répète un peu. Eh ben, on va la jouer maintenant. J'ai même pas regardé ce qu'il a joué, quoi. Alors... Qu'est-ce qu'on prend? Un loup. Il y a la déesse menthe. Ah ouais, il y a la déesse menthe. Ouais, non, il y a la déesse menthe. Ouais.
Carrément. Faudra juste un autre sacrifice. Martin Pêcheur, Grenouille Taureau, Coyote. Ok, ça marche. On va l'appeler Bob. Bob le Blob. Aviez, sous l'effet de la clim du ventilo, ça sèche les yeux. Ah, peut-être que c'est ça aussi. Attendez, quoi? Je viens de me prendre une... Hein? Je viens de me prendre une tarte. Ça va bien? Tranquille? Et ben vous savez quoi? On va prendre l'écureuil. Mettre ma déesse menthe juste là. Et elle va faire là, là, là. Et j'ai envie de jouer le blob. Je ne plaisante pas, tu ne peux pas utiliser ça. On ne peut rien en faire. Je la mets sur l'étagère pour l'instant. Un conseil, ne t'en approche pas. Ah, elle est sur l'étagère. Donc on va pouvoir faire un truc hors jeu, je pense. Je peux jouer l'opossum aussi pour plus de security. C'est toi qui me fais le plus mal à se mettre là. Ok, on est pas mal, je pense. Oh la menthe! Oh la menthe! Oh la menthe! Et puis on va invoquer mon petit loup rabougri. C'est parti. Hélas. Quoi hélas? Allez, c'est perdu. Ouh, toutes les dents. Where is Bob? Allons voir Bob. Non, non, mais j'avoue, les yeux dans le noir, là... Tu peux t'imaginer n'importe quoi, du coup, ça fait bizarre. Les petites dents, là. Alors, sur l'étagère. Ah. Arg. La douleur est insupportable. Même après toutes ces années. Qu'est-ce que tu veux? Plus grand-chose ne me pousse à vivre ces derniers temps. On peut pas le libérer? Ah, ça y est. Le maître est libre. On ne doit plus être loin de la fin. Si Magnificus est libre, ça veut dire que c'est bientôt fini. C'est qui Magnificus? Qu'est-ce qu'il raconte? Voir le pêcheur perdre, ça a calmé ma douleur. Ce pêcheur, c'est un vieux rival. Cette fois, il m'a eu, mais j'aurai une autre occasion de le battre. Mais fais que parler, du coup. Oh, je vois que tu prépares un petit quelque chose. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas révéler le poteau rose. Il faut juste que tu mettes la main sur son appareil photo. Ah oui, on a récupéré une pellicule. Peut-être que si tu le battais, tu pourrais le prendre. Oh. Alors, oh. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est Moué! C'est Moué, il est de retour! Avec 6 de vie et 4 d'attaque! Incroyable! Oh mon dieu, il retourne dans mon deck! Oh mon dieu! Coucou! Oui, je vois! Moué est de retour aussi! T'as pas compris, mon copain! Incroyable! J'ai jamais eu le blob dans ma partie, c'est vrai? Bah, je l'ai eu dans le truc des objets là. D'ailleurs, on va pas y retourner, on va aller plutôt au fire. Je sais plus ce que j'ai. Putain, on a le boss juste après. J'ai quoi comme totem déjà? Je vois rien. Ah oui, si je gagne des os sur les loups. Ouais. Ouais. On va aller faire le feu. Alors. On n'a rien à manger, mais peut-être qu'une de tes créatures voudrait bien nous rejoindre pour obtenir un bonus en puissance. Alors, est-ce que j'augmente Moui? Ou est-ce que j'augmente encore Moui? Ou la déesse menthe? En vrai, la déesse menthe, les gens. Parce que Moui, il faut quand même deux de sacrifices hein, pour l'invoquer. C'est un peu chiant. Alors que la déesse menthe, elle tape dans les trois directions, hein. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. Pif! Allez! 3 d'attaque. Tes créatures deviendraient sans aucun doute plus puissantes. Mais cela impliquerait de la laisser encore un instant près du feu. À ses risques et périls. Tu veux continuer de jouer avec le feu? Ou tu te retires? Non, je me retire.
Ce qu'on racontait sur la femme était bien et bien vrai. J'ai un bonus en puissance. Voilà, on s'en va. Ouais, non, j'ai pas envie de tenter une deuxième fois. J'ai trop peur. Bon, bah, c'est déjà l'heure du pêcheur. Si j'ai moué dans ma partie... En vrai, si j'ai moui, je joue moui. Comme ça, avec moui, je sélectionne moui. Et puis, après, voilà. Allez, on y croit, s'il vous plaît. Ça serait incroyable. Allez, on y croit, on y croit. L'odeur putride te donne un haut le cœur. Pliant en deux par le dégoût, tu vois une botte pleine de boue entrer dans ton champ visuel. Tu relèves la tête et aperçois une silhouette démesurément grande. Poisson sur toi. C'est le boss que je déteste, hein, pour le moment, lui. Oh, j'ai la DS Monde dès le début, ça c'est cool par contre. On va pas s'en priver, je crois. Ouais, on va pas s'en priver. Non, on va pas s'en priver. Je pense que ce serait plus malin que je la mette par là. Et la fumée... La fumée, ça sert à quoi déjà? Ah oui, ça me donne juste des os. Je peux la sacrifier. Non, je peux la sacrifier. Ok. Ah oui, faut pas que j'oublie qu'il faut que j'ai toujours un écureuil sur moi aussi. N'hésitez pas à me dire pour le son du jeu. Il chipera toujours ta carte posée. Oui, quand il y a l'hameçon, ouais. Ça, je me rappelle. L'allée, la déesse menthe, là, l'allée. Va pêcher. Ah, et par contre, les sauts, là, c'est super chiant. Là, les sauts, c'est super relou. Les sauts à pas. La menthe a fait ultra mal. Est-ce qu'on essaierait pas de faire du dégât le plus vite possible? Pour le moment, il n'y a pas de saut. Enfin, il n'y a pas de saut ici, donc je peux lui faire du dégât. Ouais, ça fait chier par contre. Va pêcher. Oh! Oh, mais la menthe, quoi! Incroyable! Incroyable! Mais la menthe, elle a guéri! Elle a guéri de fou! Oui! C'est parce que j'ai mes lunettes, ça. Je joue mieux. Il n'est pas encore l'heure de mourir. Yes! Incroyable! Peut-être qu'une de ces cartes pourrait te satisfaire. Allez, une petite carte rare. Oula, hyper hybride. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tous les... ouais. Ah, il y a l'ouroboros. A-O-A-A-I-A-O-A. Non, vous m'avez dit que l'ouroboros, c'était ultra puissant. Je prends l'ouroboros. Non, je prends l'ouroboros. C'est vrai que le gecko, on avait mis un truc dessus et c'était bien cool aussi, mais... Mais l'ouroboros, vous m'avez dit que ouais, c'était pas mal. En plus, il a déjà 4 d'attaque. Et 4 de... Et puis, il revient dans ma main à chaque fois. Ouais, non, non, allez. Y a pas à chipoter, là. Y'a pas à chichipoter. L'odeur nauséabonde du pêcheur s'atténue légèrement au fil de la route. Va-t-on arriver à revoir le troisième boss? J'aimerais bien. Voyons voir. Le boss des couteaux, là. Les couches de neige glacée accablent ton corps, tandis que tu te démènes pour accéder au point d'observation. Buvez tous un coup. Les arbres couverts de neige surblombent le paysage comme autant de canines déchaussées. Tu continues ta route en direction du sommet des neiges éternelles. J'ai soif. Oh, j'ai vidé ma bouteille, quoi. Ah oui, ça, c'est le petit jeu avec le petit monstre, là. Enfin, c'est lui, mais... le petit monstre. Alors, l'épreuve de la sagesse. Ces trois cartes tirées doivent avoir au moins trois emblèmes en tout pour gagner. Preuve de la puissance, ces cartes tirées doivent avoir au moins 4 de puissance d'attaque en tout pour gagner. Ou les preuves du sang doivent coûter au moins 4 coups de sang en tout pour gagner. Je vais prendre celle de la puissance, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut y arriver. Que l'épreuve de la puissance commence. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Tiens, c'est l'épreuve. C'est genre les trois cartes les plus fortes, quoi. Allez, hop. Alors...
Ouh là là, qu'est-ce que quoi ? Sacrifice, bienvenue. Sacrifie une carte ornée de cet emblème, accorde 3 gouttes de sang au lieu de 1. Ah, c'est pas mal. Et c'est quoi ça, là, la petite main ? Compte. Ah bon, c'est pas. C'est craché. Oh là, on a une vipère avec un nid de... Quand une carte ornée de cet emblème subit des dégâts, ajoute une abeille à votre main. La carte abeille est la statistique suivante. Ah, c'est intéressant du coup aussi. Et ça, c'est la larve. Ouais, qui évolue. Bon. La carte poulpie, ouais, ça a l'air plutôt cool. Après, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Bah, la vipère, ce qui fait chier, c'est qu'il faut 2 gouttes de sang. Je vais prendre poulpie, je pense, plutôt. Parce que je pense que ça peut être pas mal, hein. Ça veut dire qu'elle va avoir ses points d'attaque en fonction de quelque chose. Et ça veut dire peut-être qu'elle peut avoir beaucoup de points d'attaque. Comme je peux en avoir moins, mais... je pense que ça peut être bien. Est-ce qu'on retournerait pas au feu ? On est des gourmands, hein. Ah, on est des gourmands, on va au feu. Le feu. Plus de puissance pour la menthe. Le feu crépitant. Ouais, ouais, on connaît. On a rien à manger. Blablabla. Bla, bla. Je vais reprendre la menthe, en vrai. La déesse menthe, vraiment. Zéro hésitation. Merde. Je me suis trompée. Coucou Aziel. Ça va très bien, et toi ? Laisse-la ici, dit une voix. Ta créature peut gagner en puissance. Mais chaque seconde qui passe, ce groupe semble de plus en plus affamé. Non, c'est bon, j'aime bien ne pas trop être gourmande. Voilà, je m'en vais. Le deuxième coup, je le sens vraiment pas. Allez. Combat. Salutations. Oh, j'ai moué. J'ai moué la décemente. C'est gagné. Ok, faut quand même pas faire n'importe quoi. Ah oui, le piti du wapiti qui va se transformer en cerf. Et enlève ta vieille main, toi. Et qui se déplace vers la droite. Et ben, on va tout de suite invoquer la déesse menthe. Et on va la mettre en plein milieu. Voilà. En vrai, faut pas trop que je fasse la maline parce que la dernière fois avec Moui, on était super bien et j'ai quand même perdu contre le boss, hein, donc. ça c'est quoi ? Ah là, il y a les trucs des champignons. Ah, j'ai envie d'aller par là, il y a le truc des champignons. Oh, le truc des champignons. Même pas le temps de jouer. Allez, on se refait un petit défi. 4 de puissance, ok. 6 de santé. Ou, ah oui, 2 de la même tribu. 4 de puissance. Je pense que j'ai plus de chances de gagner avec ça. Oui. Clairement, oui. Allez, c'est gagné. Alors, on a la grenouille taureau. C'est une créature ennemie. Non, non, non. Ah oui, elle va bloquer les attaques. Ah oui, elle bloque. Donc elle bloque les attaques et en plus, elle bloque les trucs de l'air. Pas mal, pas mal. On a la chèvre noire. Donc qui nous rapporte 3 gouttes de sang. Et en plus, elle revient dans ma main, c'est ça, non ? Si une de vos créatures meurt en combat, une carte ornée de cet emblème dans votre main la remplace. Ou elle ressuscite une de mes cartes, je ne sais pas. J'ai un doute. Elle ressuscite ou elle... J'ai un doute. Et on a le serpent à sonnette. Merde, attendez, c'est clic droit ou clic gauche pour... Ah oui, j'ai un doute. Faut une carte... Ah oui, c'est vrai. Faut aller éplucher le deck. Ça donne une autre carte avec le même emblème random. Ah, pas mal, ouais. Allez, on va faire ça. Prends la chèvre. La chèvre. Et qu'une de tes cartes meurt, la remplace. Ah ouais, non, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est plutôt cool. Oh, je les aime bien. Il nous faut des doubles, d'accord ? Une pour moi et une pour lui. Oh, oh.
Toutes tes cartes sont différentes, il n'y a pas de paire. Ah bon? J'en ai pas une seule. Desmonte, race à cadeau. La chèvre apothétique, la meilleure des offrandes, la sacrifiée accorde 3 gouttes de sang. Mais du coup, il me demande de faire quoi là? Moi, je donne pas ma Desmonte, hein. Je sais pas ce qu'il me demande de faire. Ah oui, il me donne une carte, mais je vais pas pouvoir la récupérer maintenant, non? Donc si là, je donne ma... Là, si je donne maintenant ma Desmonte, je l'aurai plus jusqu'à que je les recroise. C'est dangereux. Te donner un double. Ouais, mais il va pas me donner maintenant, hein, il me semble, hein. Non, tu en auras deux jusqu'à que tu les recroises. Ah, d'accord. Ah, ok, pardon. Ouais, donc, go Desmonte, alors. J'avais peur qu'il se barre avec ma carte. Ok. J'ai un sapin. Alors... Ah, j'ai pas la Desmonte, mais j'ai Moui qui me permet de piocher ce que je veux. Et on a la fameuse chèvre noire, hein. Et ben, on va faire... J'ai pas compris comment ça... Il faut que je la garde dans ma main, du coup, cette carte. Non, il faut que je la joue. Faut que je la garde dans ma main. Faut pas que je la joue, alors, pour que ça marche, ça. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben, on va jouer Moui. Il a mis un louveteau. Et là, on va clairement prendre la Desmonte. Ah, je sais, l'Ouroboros, mais bon. Je le prendrai plus tard. Desmonte, là, qui arrive trop de fou, quoi. Bien que je vais pas pouvoir la mettre parfaitement au milieu, mais... Ah, même pas du tout, en fait, d'ailleurs. Merde. Ouais, j'aurais pas dû mettre Moui là. Sacrifie Moui, pose là, c'est win. Et c'est vrai que je peux sacrifier Moui. Hein. C'est pas bête ça. C'est pas bête. Donc vous m'avez dit de pas jouer la chèvre noire. L'opossum, je peux le jouer. On va se mettre là où la menthe elle peut pas. Elle peut pas agir. Allez. Ok, on commence à avoir un jeu pas trop mal. Alors... Ça, je sais plus ce que c'est. Ça non plus. Je sais pas où elle est. Oh, elle est là. Ah mince, je suis allée à gauche. Coucou Hélène. Les fourrures sont sublimes. Tiens, prends-en une, c'est cadeau. J'en ai déjà une aussi, je crois, non? Merci de ta contribution. J'ai rien compris, c'est passé quoi? Devenu pro des cartes. Oh, c'est juste que j'ai du pot pour une fois, j'ai tombé sur les bonnes cartes. C'est surtout ça. Un corps le feu. Ah, un bonus en santé cette fois. Un bonus en santé... Écoutez, j'ai envie de rester sur la même carte, hein, parce que la Desmonte, elle a 15 vies. Donc ouais. 3 de vie. J'envisage de laisser un instant de plus la créature près du feu. Non, j'envisage pas du tout. Rends-moi ma menthe. Rends-moi mon diabolomante, tout de suite. Ah. Combat avec un totem. Alors, c'est quoi son totem? Créature opposée à une carte ornée de cet emblème perd un de puissance. Ah oui, c'est relou ça. Ah oui, puis il y en a deux. Ah, c'est chiant ça. C'est un peu relou. Ok. Ah, on a ça qu'on peut essayer de jouer. Je suis très curieuse. Sans, j'ai pas grand chose d'autre dans la main.
Ok, là, elle a 2 de puissance. Alors, est-ce que c'est par rapport à la vie? Parce qu'il a 2 de vie. Je ne sais pas. Oula. La fourrure de lapin, oui, super, nickel. Parfait. J'ai pas assez d'os. J'avais pas pris un truc à os? Ah non, j'ai pas de truc à os, merde. Ah, c'est la douille un peu là. Je suis pas très très bien là. Après, il va me faire que 2 de dégâts, mais... Mais oui, j'ai rien acheté, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai rien compris. Je suis obligée de passer mon tour. Oh là là. Oh là là. Calmons-nous quelque peu. Desmond. Oh non, c'est pas la bonne. Merde. Fuck. 4 d'attaque. Ah oui, elle vient de gagner 4 d'attaque. Ah oui. D'accord. Ouais, par contre, j'ai rien à sacrifier. Je peux même pas poser ma menthe. Ça, je peux pas le sacrifier. Si, je sais plus. Non. Oh. Ouais, ça sent la mort sur ce combat, par contre. Ben, je peux rien faire. Ça sert à rien que j'hésite. Ça sert à rien que je sacrifie, elle fait plus de dégâts, elle, donc. Bon. Si je pouvais tenir au moins un tour. Ben non. Aïe aïe aïe. C'est navrant. Vous avez vu, même quand ça se passe ultra bien, ça peut. Dégénérer en 3 secondes. En 3 secondes, ça peut dégénérer. C'est fou, ça. Chien de chasse. Ok. Ok. On arrive bientôt au boss. J'ai peur. J'aurais bien voulu racheter des objets. Ah, encore le feu de camp. Tu vois, j'ai oublié les créatures. Ouais. Bonus en santé. Bonus en santé. Qui on peut prendre? On va peut-être pas prendre l'amande cette fois. En vrai, ça a l'air pas mal hein, quand même. Hein. Bourreau, ça sert à rien. On peut augmenter un petit loup. Ça, si je tombe dessus. Ou alors lui qui a un stack heal. Oh, quoi, qu'il a déjà 3 de vie. Ouais, oh, le petit loup, allez hop. C'est parti. Est-ce là? Ta créature peut gagner en puissance. Le groupe semble de plus en plus affamé. Allez, vas-y, joue avec le feu pour une fois. Allez, allez. 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 La chance était de ton côté. Peut-être que tu pourrais la laisser un instant de plus. Mais en agissant ainsi, tu multiplieras les risques. Non, c'est bon. Le 6 de vie, c'est bien. Hein. On est pas mal, là. On est pas mal. T'aurais dû mettre la menthe et ainsi mettre une de tes cartes à os. Tu aurais fait des attaques. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pas pensé, ouais. Bon, est-ce qu'on est prêt? Non. Au moins, on va enfin revoir ce boss. Et faut pas que j'oublie, oui, que j'ai la chèvre. Mais non, j'ai pas la chèvre. Ah si, non, j'avais la chèvre dans mon deck. Putain, mais j'ai plus d'objets. Hein. À part le couteau qui sert à quoi déjà? Je sais pas à quoi il sert le couteau. Je sais plus. Ah si, c'est pour moi tirer un œil, non? Mais ça fait quoi déjà? Tu vois les fourrures du trappeur et leur odeur familière. Mais quelque chose cloche. L'homme jusqu'ici amical se fixe d'un regard d'acier. Ok, allez, on fait pas de la merde, là on se concentre. Désolé, mais c'est toi que je vais écorcher aujourd'hui. Ok, j'ai mon loup. Oh, j'ai...
J'ai les cartes qui bug surtout. J'ai mon loup, j'ai mon chien de chasse, j'ai cette carte là. Ok, on démarre pas si mal. Ok. Tape les pièges avant de le tuer pour obtenir des fourrures. Garde-les dans ta main, ça te servira pour le deuxième round. Les pièges. Ah, ok. Alors, on va faire ça. Toi, on va te mettre là, mais on va bientôt te tuer. Ah ok, ça me tue mon truc. Ah merde, j'avais pas compris ça. Et du coup, je peux plus avoir les 3 gouttes de sang. Ah, c'est très mal joué ce que je viens de faire. Ah, je peux rien jouer. J'avais pas compris que ça a tué ma bestiole de taper dans le piège. Le couteau, ça fait quoi déjà? Poser écureuil et fourrure, ouais, ça peut me protéger un peu. Et le couteau, ouais, ça sert à quoi déjà? Je sais plus. Ça le fait pencher à 100 balances, non? Il me semble. Hein. Super un œil. Ouais, ça avec quoi? Feu! J'ai pas envie de perdre maintenant. Oh, mais je peux pas jouer! Je peux pas jouer! J'ai que 2 cartes où il me faut 2 sacrifices! C'est une catastrophe! Ah mais là il va mettre 3 de dégâts, ça va passer ou pas? Je peux pas sacrifier la fourrure. J'espère que je vais pas crever. Ouh. Ok, est-ce qu'il vaut mieux que je mette le chien ou le loup? Le chien se déplace, hein. Le chien ou le loup? Vous en pensez quoi? C'est tellement frustrant, non mais c'est dingue comme ça peut être un revirement de situation en 3 secondes quoi. C'est terrible ça. Le chien. Je suis morte. On fait une petite tricherie? Ou pas? Est-ce qu'on ferait pas une petite tricherie? Non mais parce que c'est relou. On peut faire ça? Oui. Allez. Allez. On tente. Parce que c'est trop frustrant. Fermez les yeux, vous avez rien vu. Ah, est-ce que ça a marché au moins? Yes, ça a marché. Ok. Allez. Cette fois, fais pas du caca.
Donc de taper dans un piège, ça fait du dégât. Faire ça tout le temps, je sais pas du tout. On m'a expliqué la dernière fois que je pouvais faire ça. Je voulais pas trop le faire, mais là... Là, fait chier, quoi. Merde. Après, on va peut-être pas le faire tout le temps non plus, ça serait l'abus, mais... Ok, j'ai même carte que tout à l'heure. Ok. Faut juste pas que je joue n'importe comment. Cette fois, on va pas s'occuper du piège, hein. Cette fois, on va faire autrement. On va faire autrement, les amis. On va jouer l'écureuil. Jouer ça. Et j'hésite à le sacrifier direct pour le chien de chasse ou pas. Non, le piège fait pas de dégâts de toute façon. Bah, à part quand tu tapes dedans, quoi. Ou alors j'attends un tour. Comme ça, il leur met déjà 2 de dégâts dans la tronche et après je sacrifie. Mais bon. Sacrifie direct. Encore. Allez. Le chien. J'ai le chien. C'est encore moi. Ah putain, il me donne pas les meilleures cartes, hein. Pour l'instant, j'ai toujours le couteau s'il y a un problème. Bon bah, on va attendre un peu, hein. Bon, il me faut un écureuil. On va jouer l'hermine qui va le défoncer. Et par contre, ouais, je perds mon chien. C'est vrai. C'est relou. C'est chaud de fou, quoi. Je vais encore crever, là. Attends, je pense que ce qu'on va faire plutôt... Lui, il va taper dans le piège, il va mourir. Donc... On va mettre l'écureuil là. Te sacrifier toi. Sacrifier l'écureuil. Mettre le loup ici. Et... Je peux poser ça pour me protéger. Ok. Chèvre noire. J'ai rien à sacrifier. Normalement, je peux tenir un tour. Ok, ok. Oh, la chèvre noire s'est mise toute seule. Incroyable. Donc là, je prends une carte comme ça. Elle fait quoi, elle, déjà? Sonne ici. Ah, je sais plus. Et ben, on va sacrifier la chèvre noire. Ah oui, donc la chèvre noire se joue toute seule. C'est ce que vous m'expliquez, hein. J'ai je sais pas combien d'os, mais j'ai aucune carte avec des os. Ah putain, la vipère. Ah oui, là, donc là elle fait 4 de dégâts. Mais elle va crever sur le piège intelligent. Là c'est la merde par contre. J'ai une fourrure, putain, j'en ai rien à foutre. Bon, je vais me protéger. Nous tournons en rond un peu. Nous tournons quelque peu en rond. Le possum. Ah, enfin un truc que je peux jouer. Putain, mais il est relou avec ses vipères par contre. On va mettre la fourrure pour se protéger. Ok. Est-ce qu'un jour on va y arriver, putain? Oh, j'ai l'ouroboros.
Mais il me faut d'autres sacrifices. Ah! Est-ce qu'on on s'enlèverait pas un petit œil? Comme ça, on passe à la phase 2. Et je peux pas le jouer. Je peux pas jouer le Ouroboros. Il me faut d'autres sacrifices. Dans ce genre de cas, que la chèvre est incroyable. Bah ouais. Tu peux passer un tour sans retirer l'œil? Tu penses? Ah, il va me mettre un... Ouais. Ok. C'est bien parce que son loup il est coincé par les pièges. J'ai une descente. Ok. De bien belles fourrures, mais le cycle doit se poursuivre. Je sais même pas si j'ai déjà vu la phase 2. Toi et moi on va faire des affaires. Oh merde. J'ai peur, on a jamais vu ça. Quoi? De puissantes cartes. Mais je les échange que contre les meilleures fourrures. Ah, il veut me vendre une de ces cartes? Choisis ce que tu veux, mais sache que le reste m'appartiendra et se battra pour toi. Se battra pour moi, pardon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Est-ce que je peux acheter un truc avec une fourrure? Il y a le gros requin blanc. Mais il faut 3 invocations. Après, il fait quoi, ça? Coup de force, à la fin du tour de son propriétaire, une carte endée de cet emblème se déplace dans la direction indiquée par l'emblème. Les créatures, son passage, sont poussées dans la même direction. Ah ouais. On a le Wapiti, enfin le Rubourou qui tape sur deux trucs. Ah ouais, mais là on était en galère, c'est pour ça que j'ai pas trop attaqué les pièges. Il y a l'élan. Oh, je sais pas quoi prendre. Ouais, je sais que j'ai un gros stock d'os, donc ça, ça pourrait être intéressant, ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Ou alors la chauve-souris. On va partir là-dessus, je crois. J'aurais pris autre chose, personnellement. Alors. Il me faut un sacrifice. On va morfler. On va morfler. Ok. Il va taper dans deux directions. Donc. Donc je le mets où? Tac, 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 tac. On va mettre par là. Et la déesse menthe... Ah bah non, merde, j'aurais dû mettre la déesse menthe au milieu, je suis con. Ah mais non, elle va taper là, de toute façon, c'est pas... On s'en fiche. Allez. On prie? On prie. Ah, quel bordel. Ouais. Ah oui. Ton âme a été ravivée. Oh mon... Bon, on a triché. C'est pas bien. Mais imaginez, il aurait fallu tous retaper. Alors que là, on y est arrivé la deuxième fois. Oh. Ouais, merci pour vos conseils aussi. Hein. Ouais, mais au moins, on a passé un boss. Je sais qu'on n'a pas gagné le jeu, tu vois, mais au moins, on a passé un boss et on va pouvoir avoir des nouveautés. Allez, une petite carte rare, alors. Allez. Non, on n'a pas triché. Le Wapiti Zombie. Toucher de la mort. Ah, qui se déplace. Ok. Larve étrange. Je prends le Wapiti Zombie parce que j'ai pas beaucoup de trucs avec des os. Là, ça se déplace. Ça fait un coup de la mort. Ça a deux de vie. Oh, c'est pas mal. Hein. Parce que ça... Laissez tomber. On va prendre ça.
Oh, on avance, il y a du progrès, comment je suis contente! Alors que le sang du trappeur et de la marchande macule la neige, tu continues ta route. Tu aperçois une lumière au loin. Tu y es presque. Petite question, tu ne vas jouer qu'à inscription ce soir? Bah écoute, il est bientôt 23h et on progresse enfin, donc ouais, il y a moyen, je pense. Oh, je sais. Oh! Pourquoi il y a une petite maison? Oh, on va aller dans la cabane où on est actuellement? On va être genre dehors? Je sais pas. T'as un truc à dire, toi? Oh, je vois que tu as un petit quelque chose avec toi. Dont tu as besoin, c'est une occasion de l'utiliser. J'ai vu cet adversaire toucher son appareil photo légendaire. Mais seulement après l'avoir vaincu. Ouais, il faut d'abord que je le batte et après j'aurai... Donc ça veut dire que même quand je battrai le boss, ça ne sera pas fini. Voilà. En vrai, j'ai plus d'objets. On va aller chercher un objet. Ouais, on va aller chercher des objets. J'ai plus d'objets. Pas des objets. On va prendre la chèvre, ouais. Ouais. Et on va prendre... L'éventail, ça fait quoi? Faut vos créatures attaquent comme si elles possédaient l'emblème vol. Ouais. Ok, j'ai un peu peur, allons-y. Tes yeux sont rivés sur la petite cabane. Sa lumière chaleureuse est un phare au milieu de l'obscurité oppressante de la nuit. Tu en es certaine, cette cabane signe la fin de tes tourments. C'est l'heure du boss final? Non. Pourquoi il fait tout noir? Oh mon dieu, je suis dehors! Oh, les arbres tournent. Oh, c'est bizarre. Oh, regardez, on dirait que la texture des... des arbres tourne. Putain, ça m'a fait peur. What the fuck? Proximité de la cabane étrange, une occasion s'offre à toi. Je n'offre pas mes bénédictions à n'importe qui. Si tu parviens à surmonter mes épreuves, je te récompenserai généreusement. Je peux avoir une bénédiction. L'épreuve des nageoires. Parmi les trois cartes tirées, il doit y en avoir une avec l'emblème O. Ouh là, bah j'en ai zéro, donc non. L'épreuve de rareté. Parmi les trois cartes tirées, il doit y avoir une carte rare. L'épreuve des peaux. Parmi les trois cartes tirées, il doit bien avoir une carte fourrure. Compliqué d'avoir une bénédiction là. Parce que les fourrures, je pense que j'en ai plus. Carte rare. Ouais, peut-être, ouais. Coucou Bibi. Carte nageoire, le carte haut là, déjà, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ouais, on va tenter rare. Quelle épreuve de rareté commence? Ah, la carte de la déesse-mante, c'est une carte rare. Yes! Bravo! Je vais t'accorder l'une de mes bénédictions les plus puissantes. Des cartes qui bouleversent totalement le cours de la partie. Et tu n'as même pas besoin de les piocher. Je n'ai même pas besoin de les piocher. La bénédiction du sang de la chèvre. Vous commencez chaque partie avec une chèvre noire sur le plateau. Oh! 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 Ça veut dire que je peux invoquer n'importe quelle bestiole dès le début. La bénédiction des ambidestres. Vous pouvez piocher deux fois au début de votre tour. Oh. Donc une fois, je suppose, mais... Pas mal aussi. La bénédiction de la forêt. Vous commencez chaque partie avec des sapins majestueux sur tous vos emplacements. Du coup, ça me protège, c'est ça? Ça marche, Alain, des gros bisous. Ouais, tu m'as bien aidé en tout cas, merci beaucoup. Des bisous à toi, bonne soirée. J'hésite. J'hésite entre la chèvre et le coup de tirer deux fois. Ça peut être bien aussi. Après, la chèvre, ça veut dire que j'ai pas besoin de tirer d'écureuil. Hein.
elle arrive sur le plateau, hein. Sur le plateau. Ah non, c'est trop bien en vrai. Je vais prendre la chèvre. Je prends la chèvre. C'est trop bien. On va recommencer. On va recommencer. Ah, on fait un corps ? Trop bien. Preuve de volatile. Parmi trois cartes tirées, il doit y en avoir une avec l'emblème vol. J'en ai deux, trois, mais bon. L'épreuve des agiles. Parmi les trois cartes tirées, il doit y en avoir une avec l'emblème sprint. L'épreuve de l'anneau. Si tu as une créature en forme d'anneau ou un anneau, tu gagnes. Bon, il n'y a que l'ourouboros, je crois. Hein, donc, ouh, ça va être compliqué. Ah, le vol, ouais, j'aurais dit aussi. Parce que ça, je crois que je dois en avoir une qui fait ça. Là, j'en ai une aussi. Le vol, il y en a peut-être un peu plus. Okay, preuve des volatiles commence. Allez, c'est bon. J'ai gagné. La carte mouille, c'est une carte avec l'emblème vol. Yes, bravo. Choisis une bénédiction. Alors, les sapins... Si j'ai la deuxième pioche, je prends la deuxième pioche. Bénédiction du roi des os. Vous commencez chaque partie avec 8 os. C'est pas mal ça aussi. On l'avait eu à un moment donné ça. La bénédiction de l'œil de pie. Quand vous piochez, vous pouvez choisir n'importe quelle carte de votre jeu. Je réfléchis même pas. Je réfléchis même pas là. Putain, c'est stylé. Je sais pas où on est, mais c'est trop bien. On est devant la cabane en fait. Oh fuck. Bonjour. Tu as réussi à avoir mes deux bénédictions. Je ne le dis pas souvent, mais je suis impressionné. Imprisonnier. Coucou néant. Tu as été un adversaire redoutable. Une adversaire redoutable. Ah, tu sais que je suis une fille. C'est bien. Malheureusement, je vais bientôt devoir t'exécuter. Oh, t'es pas obligé, tu sais, hein. Ouais, ça s'est éteint. Non, mais moi, je m'en vais. Je m'en vais. Oh. Allô ? J'ai un peu peur. Monsieur ? Oh, mais c'est un vieux vieillard ! Tu en as mis du temps. J'ai envie de jouer à un autre jeu. Quoiqu'il a peut-être un masque. Tu veux jouer ? Ah, il a sûrement un masque. J'espère que tu es suffisamment préparé. Je sais pas. On va voir. Peut-être une de plus, juste par précaution. C'est une blague. Il faut le tuer en trois manches. Mais what? Pourquoi il y a les masques des autres boss qui tournent devant lui? Oh bonjour. Ok, j'ai une chèvre noire direct sur le plateau. Oh là là, c'est l'heure du boss final. Ouais, non mais il triche. On a triché tout à l'heure, néant. On a triché. Juste une fois. Mais du coup, ça m'a permis de battre le boss des couteaux. Oh, pouah, il a mis ça, ok. Et ça qui le protège. Bon, d'accord, ça commence bien. Je suis pas censé pouvoir piocher ce que je veux. Ah non, c'est la prochaine fois que je pioche. Eh ben... Il va utiliser le poids de boss qu'on a battu jusqu'ici. Ouais. Je me doutais bien. Avec les masques qui tournaient. Tu es sûr? Non. Oh, je pioche ce que je veux. Merci. Qu'est-ce qu'on prend? Pour la déesse menthe. Ou on prend Moui. On prend la déesse menthe plutôt. D
Et il a posé une décement lui aussi, mais elle est moins impuissante. Et je peux poser mon petit opossum par là. Ok. Ok. Tu vas essayer de résister à l'assaut des créatures rares. Mais le véritable défi ne fait que commencer. Des silhouettes obscures surgissent devant toi, souches d'arbres, oula. Dans leurs yeux, tu discernes un sentiment de fraternité, mêlé à de la culpabilité. Ce sont des traîtresses. Kaminsky, Louis ? Ça me rappelle de bons souvenirs. À tous les coups, c'est des d'autres gens qui sont morts avant Moui. Oh, c'est trop bien cette bénédiction. Je pourrais prendre la chèvre noire. Hein. On va prendre la chèvre noire, je crois. Ah oui, j'aurais dû prendre l'ourou, j'y ai pas pensé. Je suis trop bête. C'est pas grave. Pourquoi ils ont disparu? Aïe. La chèvre. Non, pas mes dérossements. Foiré. Oh, il m'a piqué Moué. J'ai envie de le tuer. Il m'a piqué Moué. Ouais, on va peut-être prendre l'ouroboros. Ou Moué. Ouroboros ou Moué? Chier, il me faut deux de sacrifices par contre. Hein. Oh, reviens à ta main. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est que là, je peux rien faire avec la pépite d'or. Ah bah, serre-toi, hein. Voilà, merci. Ah, faut pas que j'oublie que j'ai une chèvre noire, là. J'en ai pensé. Non, mais tu peux jouer avec ton écureuil. Ah oui, ça va, pardon. Ah ouais, mais attends, il va me piquer ma dernière. Ah, mais j'ai la fourrure, j'ai la fourrure. J'ai la fourrure. Tiens, pique ma fourrure. Ok. Ok. Oh bah tu pouvais prendre ma fourrure, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Cette satanée lune. Oui, c'est un peu théâtral. Mais ça n'ajoute rien à mon plateau. Je me demande... Qu'est-ce qu'il fait? Oh, l'appareil photo. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ça, je dis oui. C'est quoi? C'est une carte géante? Il a pris en photo la lune. La lune qui fait un d'attaque. Qui fait un bond prodigieux. Qui fait une attaque multiple. Qui attaque donc toutes mes cartes en même temps. Verrouillage gravitationnel. Au début du tour, son propriétaire, une carte ornée de cet emblème, place sur son orbite de nouvelles créatures telles que des écureuils. Et elle a 42 vies. Pardon. Plaît-il ? Plaît-il ? Putain, la foire de lapin va me bloquer là. Je pense que ça fait ça face à ça. Combat la lune, tout va bien. J'ai une quantité d'eau, c'est n'importe quoi. Ok, c'était pas une bonne idée de jouer ça, d'accord, j'ai compris. Coucou Malkara.
J'ai envie de prendre Moué parce qu'il fait quand même bien mal. En plus, il tape à deux côtés. Et il va me falloir deux points l'invoquer par contre. Hein. Après, ça va, au moins il me fait qu'un d'attaque. Donc ça va. On résiste. Roboureux, je vais pouvoir le remettre. Il va juste me manquer un écureuil. Ok. Roboureux revient. Ah, mais il faut de nouveau un écureuil par contre. Mais il a 5 de dégâts et 5 de vie. On remet le Roboureux en priorité. Hein. Clairement. Ok, ça descend tranquillou. Ça descend tranquillou. Je suis la reine des os, vous avez tous les os que j'ai. Ok, on va pouvoir mettre Moué. Il en a plus pour longtemps. De toute façon, je pense que j'ai gagné là. J'ai pas un truc avec des os. C'est le Wapiti Zombie. Vas-y. Tu as vraiment détruit la lune. J'ai gagné. Tu n'as plus qu'à m'achever maintenant. Oui. Un grand plaisir. Vas-y. Le Roboros qui a Kerry, quoi. Quel bug? J'ai eu quoi comme bug? Oh my, did I just... I think I just beat him! C'est qui qui parle? What? C'était filmé? What? Je filmais? Qu'est-ce qui se passe?